Bonjour à tous et bienvenue à la rubrique du Dvar Malchut Tavshunale Tavshunbet. Cette semaine, donc, nous sommes parashat Kitissa. Le rabbi commence et explique que la parashat Kitissa, elle a un problème par rapport à tout le contenu de la parashat. Donc, il va poser beaucoup, mais alors vraiment beaucoup de questions. Donc, là, on va prendre deux questions sur toutes les questions qu'il va poser, mais bien sûr, les réponses, la réponse, parce qu'il n'y en a qu'une, la réponse, bien sûr, va répondre à toutes les questions du rabbi. La première question qui peut être évidente, c'est que la parasha Kitissa s'appelle l'élévation, c'est élever nos têtes. Donc, quand on regarde, ça veut dire, quand on regarde le titre, c'est une élévation, c'est quelque chose de haut. Pourtant, comme vous le savez, cette parasha, c'est une parasha du veau d'or, donc c'est quelque chose qui est très très bas. Comment ça se fait que la parasha s'appelle donc élévation ? Il y a aussi une deuxième question aussi, c'est que on voit que Moshe Rabbeinu, il a marqué que son visage a été rayonné, il rayonnait tout simplement, mais qu'au deuxième table de la loi, pas au premier table de la loi. Pour quelle raison? Pour comprendre ça, il va nous apprendre quelque chose, une base dans le monde. C'est que tout le monde entier est divisé en trois. Je m'explique. Par exemple, il va prendre, pour commencer, le plus simple, avec le Aleph, le Bet et le Guimel. Aleph, ça veut dire Anoukhi. C'est quand Dieu, bien sûr, comme il va expliquer après, mais c'est que Dieu, en fait, il est tout seul. Après, il y a Bet, Bereshit, le commencement, ça y est, créé le monde. Et Guimel, la conclusion, la Géoula. Donc, on voit trois étapes. Anori, Dieu il est tout seul. Bereshit, le commencement, ça y est, il y a le monde entier, etc., etc., tout le monde, quoi. Et Guimel, la Géoula, la finalité. Il va ramener plein de preuves que le monde est basé sur trois. Par exemple, bien sûr, ça ressemble, mais il va plus approfondir pour dire qu'au début, il n'y avait que Dieu. Après, il y avait donc le monde. Et après, encore une fois, il y aura bien sûr la Géoula, c'est la conclusion. Pareil avec la Torah. D'abord, il y a eu donc la Torah. Après, Dieu a fait les mitzvot. Et la conclusion, c'est quoi? Grâce au Torah et grâce aux mitzvot, on va bien sûr avoir la Géoula. Pareil, il va ramener le Pirkei Avot. D'abord, il y a eu que Moshe Rabbeinu. Et après, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a transmis à Yeshua, ça veut dire à Yeshua, tout le peuple juif, jusqu'à que quoi? Troisième étape, la Géoula. Grâce que Moshe va transmettre à tout le peuple juif, ça va arriver quoi? Ça va arriver à la Géoula, à la finalité. Et donc de là, maintenant, on peut répondre à notre question par rapport aux tables de la loi. On pense que ce n'est pas une élévation. On pense que c'est les tables de la loi. Qu'est-ce que ça fait là? C'est ça aussi une question, c'est qu'est-ce que ça fait là? Les tables de la loi, c'est très très bas. Ce n'est pas bon du tout pour les juifs. La réponse n'est pas du tout. C'est tout simplement, c'est une étape des trois. Comment? Première étape, c'est les premières tables de la loi. Deuxième étape, c'est ça. C'est la brisure des tables de la loi. Et troisième, c'est les deuxièmes tables de la loi. La finalité de la chose, la finalité, bien sûr, les deuxièmes tables de la loi. Donc on peut penser que le cassage, quand les tables de la loi se cassent, c'est pas bien du tout, ça fait pas du tout partie. Au contraire, c'est horrible ce qui s'est passé. La réponse est pas du tout. Même ça, c'est l'élévation. Ça veut dire que sans ça, il n'y aurait pas eu l'élévation du peuple juif grâce aux deuxièmes tables de la loi. Donc voici maintenant la réponse. Première table de la loi, c'est Dieu qui nous l'a donnée. Après, Dieu a cassé. Donc on a fait Teshuva. Donc comme on a fait Teshuva, on a mérité d'avoir les deuxièmes tables de la loi, la plus importante de la Torah, c'est bien sûr les deuxièmes tables de la loi. De là, on ressort quoi? On ressort tout simplement que, pas seulement c'est parce qu'on a fait Teshuva, mais aussi c'est que quand on regarde les premières tables de la loi, c'est Dieu qui avait fait. Par contre, dans les deuxièmes tables de la loi, c'est pas simplement Dieu, c'est aussi le peuple juif. Tout le peuple juif ensemble, grâce qu'ils ont fait Teshuva, ils ont mérité le deuxième tables de la loi. Donc ça veut dire qu'on a une élévation, ils sont beaucoup plus importants que les premières tables de la loi. Pourquoi? Parce qu'il y a eu Teshuva, parce que même les hommes ils ont travaillé. Mais tout ça, c'est grâce à quoi? C'est grâce
que les tables de la loi, les premières tables de la loi se sont cassées. Donc, premièrement, quand les tables de la loi sont cassées, c'est bien, entre guillemets, parce que grâce à ça, il y a eu donc Teshuvah et donc on a mérité d'avoir les deuxièmes tables de la loi. Mais aussi, c'est parce que ça fait partie de ça. Grâce aux tables de la loi, grâce que les tables de la loi sont cassées, alors on a mérité l'élévation des deuxièmes tables de la loi. Et maintenant, on peut répondre pourquoi Moshe Rabbeinu a rayonné pour les deuxièmes tables et pas pour les premiers. Parce que pour les premiers, c'est que Dieu qui a donné. Il n'y a pas eu grand-chose, on n'a rien fait. Par contre, dans les deuxièmes tables de la loi, oui, là, les Juifs, ils ont fait, grâce à la Tchouva, comme on a dit, grâce que les tables de la loi se sont cassées, donc on a réussi à faire Teshuvah. Donc, comme on a fait Tchouva, comme on a les hommes ont travaillé, alors Dieu a rayonné. Et donc, bien sûr, le Rabbi termine et conclut que chaque Juif, lui aussi, il peut rayonner comme Moshe Rabbeinu. On a toute la capacité de faire ça. Comment? Comme on a dit dans la galoute, comme là on est en galoute, le but c'est quoi? C'est on pense que la galoute, bien sûr c'est tout ça la finalité, c'est que Dieu donc est venu, après il y a eu la galoute pour avoir la Géoula. Donc de quoi? De là on peut penser que la galoute c'est pas bien, comme le cassage quand les tables de la loi sont cassées, on pensait que c'était mal. Et ben non, le rabbi arrive et explique que non, la galoute est là pour arriver à la conclusion de la Géoula. Et sans la galoute, on ne peut pas aller à la Géoula. Pareil pour les brisures des tables de la loi. S'il n'y avait pas eu les brisures de tables de la loi, on n'aurait pas pu arriver aux deuxièmes tables de la loi. Pareil, sans la galoute, on n'aurait pas pu mériter la Géoula. Donc quand on apprend ça, on peut dire quelque chose. C'est que la galoute, on pense que c'est mauvais, que c'est pas bien. Pourquoi il y a eu ça? On peut être triste. Au contraire, faut être joyeux. Grâce à la galoute, on va mériter la Géoula. Que Dieu fasse que très très vite cette galoute est terminée, qu'on arrive vraiment à la fin de la galoute pour mériter la Geoula Amitié VHLEMA. Shabbat Shalom.